Coucou les amis Balance, c'est votre tour pour le mois de février 2021. C'est parti. Alors les Balances, deux cartes prétirées pour gagner du temps, la tentation, la première carte et ensuite la deuxième carte qui est la carte de la réaction. Alors je vais faire court. Pour moi, vous allez être tenté de réagir à une situation. D'accord? C'est des énergies très pulsionnelles. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'est le mot qui me vient. D'accord? Ici, on réagit par pulsion. Ok? On va être dans la réaction, pas dans l'action. Ce n'est pas vous qui allez agir, c'est vous serez tenté de réagir vis-à-vis d'une situation. Alors. On a l'examen à l'endroit, on a la réunion et on a une ouverture. Des très très jolies cartes. Alors ici, je pense que pour les amis Balance, on a la réussite à un examen, que ce soit un examen clinique, un examen tout court, et, ou en tout cas, on réussit quelque chose qu'on avait planifié. D'accord? Avec la réunion, on peut parler de. Vous allez vous réunir pour parler de quelque chose, pour réagir à quelque chose. D'accord? Vous allez vous attabler. D'accord? Je vois des gens attablés. Alors, de deux choses l'une, ou effectivement, vous êtes dans un travail où vous allez multiplier au mois de février les réunions. Ou bien. Qui seront d'ailleurs positives puisque c'est la réussite à l'examen et l'ouverture sur votre destinée. D'accord? Donc, pour les amis Balance, des cartes très positives avec la carte de l'ouverture. Ici, il y a une porte qui s'ouvre. D'accord? Il y a la possibilité de résoudre quelque chose qui vous résistait jusqu'ici. D'accord? Il y a la possibilité d'ouvrir une porte et de. En fait, je vois le mot opportuniste. Cet mois de février, pour les balances, c'est un mois où on va faire preuve d'opportunisme. Ça sera l'occasion qui fera le larron. D'accord? Je suis là. Tu es là. Oh my God. Ça commence. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, la réaction, la tentation. En fait, c'est ça. C'est, on va vous proposer la pomme et vous allez la croquer. C'est-à-dire que ça sera vraiment l'occasion qui fera le larron. OK? Alors, c'est la fin de l'attente de quelque chose. Alors, c'est très rare qu'elle sorte dans les tirages des astroscopes. La Sibylle des salons, c'est ce que je suis en train de dire, c'est sûr et certain que ça va se réaliser, d'accord? Il est aussi possible, avec l'ouverture de la destinée, que vous aménagiez, vous déménagiez pour aménager dans une nouvelle maison, d'accord? Ou vous pouvez même. Ouais, moi je pense que ou vous déménagez ici, ou bien. Vous arrivez enfin à ouvrir une porte qui était définitivement, vous pensiez peut-être même définitivement fermée. OK? C'est la fin de l'attente, d'accord? Et moi, je parle de maison parce qu'il y a le country house qui est sorti. Donc, je sais que normalement, le country house, c'est quand on se met en retrait, mais ça ne colle pas avec le reste des cartes. Donc, il est possible que vous changiez de maison ou que. La maison, c'est aussi le corps. Donc en fait, vous allez peut-être même trouver en vous, là j'espère que ça va parler à certaines personnes, c'est important, je pense, que vous allez trouver en vous une façon de, comment te dire, vous allez bien réagir. Votre corps va bien réagir. Alors là, je m'emballe, je ne sais pas comment expliquer, mais pour les balances, au mois de février,
votre corps. Alors, de deux choses l'une, ou vous allez aménager dans une nouvelle maison, ça c'est possible, ou votre corps peut aussi bien réagir à une situation, la fin d'une attente. Voilà, j'espère que ça vous parle. Moi, je ne sais pas comment traduire ça trop. J'ai du mal là. Ça va venir. Hein. Il y a peut-être quelque chose. Ah oui, peut-être qu'en fait, vous allez avoir un examen médical et que vous allez bien réagir à cet examen médical. C'est plutôt très positif. Donc ici, on a où on déménage dans une nouvelle maison avec le country house et la porte de la destinée qui s'ouvre. Ou alors, le corps réagit bien à un traitement. C'est possible, ça aussi. Parce qu'on parle de la réaction. La réaction à quelque chose. Je suis là. Tu es là. Ouais, là c'est la carte de la transformation. Donc il y a quelque chose dans votre vie au mois de février qui va se transformer. Ça peut être aussi vous qui vous transformez. Alors ça peut être une opération que vous pouvez subir et qui vous transforme, qui vous aide à vous transformer. C'est une opération qui est positive. Je suis là. Trop de cartes. Tu es là. La mémoire. La force. Vous allez avoir la force de faire quelque chose. Voilà. Ici, on peut parler aussi de quelqu'un qui fait partie de votre mémoire. Ça peut être une maman ici, d'accord? Le soutien d'une mère pour quelque chose ou d'une figure maternelle. D'accord? Je pense que vous allez avoir le soutien d'une figure maternelle pour faire quelque chose. Ouais. Peu importe ce que vous ferez, vous avez le soutien d'une figure maternelle. Alors, ce n'est pas forcément votre mère, ça peut être une amie qui est un peu plus âgée. En tout cas, quelqu'un qui vous aide dans une démarche. Ok? La tentation de réagir, la réaction. La réaction, je vais juste me pencher un tout petit peu sur cette feuille. Ici, avec la carte de la réaction, moi je pense que vous allez prendre à cœur quelque chose ce mois-ci, d'accord? C'est presque sûr que les amis Balance vont prendre quelque chose à cœur, ok? Et vous allez avoir le soutien d'une personne qui est très maternante avec vous, très maternelle. D'accord? Cette personne est là auprès de vous, n'ayez crainte. Ok? Si vous devez subir une opération, une transformation, peu importe laquelle, ça sera positif, n'ayez crainte. D'accord? Et il se peut aussi, si vous avez des projets de déménagement ou de trouver une maison, que vous trouviez cette maison. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très joli mois de février et qu'il soit doux. Je vous embrasse. À bientôt les amis Balance.